j'invite fortement tout le monde à résister, vraiment. Moi, on ne viendra pas m'empêcher de mettre mes semences, ce n'est pas possible. Il faut que la semence prenne le maquis en quelque sorte, elle devient presque clandestine, qu'on se la passe les uns les autres au niveau des jardins, au niveau de tout ça, et c'est de la légitime défense. C'est l'épi principal. Voilà. Deux ans d'épi, voilà. Secondaire, voilà. Vous pouvez pousser. Voilà. C'est en tout cas une catastrophe nationale. Ça veut dire que l'État a pris une cause, partage la cause de ceux-là qui nous vendent les semences, qui nous exportent les semences pour s'enrichir. Parce que normalement, si la graine est bonne, on vous la donne une fois pour toutes. Ça, c'est notre culture. C'est culturel chez l'agriculteur. Tu vas le connaître, tes fruits. Au lieu de maîtriser notre semence, on finit par les semences qui nous maîtrisent. Et ça, ça va devenir vraiment grave. Le test de germination, c'est important pourquoi ? Pour le paysan, parce que souvent le paysan, il achète ses semences et il se peut que ces semences soient des semences de mauvaise qualité ou avec un taux de germination très faible. La yel na yel ben ben ton ta kwarma ya wa misi o mari ton patak kibe ta ka formation ka ngai ton da pana ton da nan ba ngai yel ka ngai. Si tu n'as pas ta propre semence et tu ne sais pas où en trouver, par fini tu vas aller prendre des hybrides.